Seigneur. Amen. Dis à ton ami, shine. Dis-lui, shine. Shine veut dire briller. Dis, tu es en train de briller déjà. Non, regarde-le bien. Dis-lui, tu es en train déjà de briller. Ce qui m'est arrivé, dis à ton ami, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas pour ma mort, c'est pour conquérir. Ah, tu n'as pas compris. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas pour ma mort, mais c'est pour conquérir. Et Paul est en train de dire, ce qui m'est arrivé m'a permis d'ouvrir d'autres territoires. Ce qui m'est arrivé m'a permis d'avoir de nouvelles frontières. Ce qui m'est arrivé m'a permis de défricher la forêt. Donc la situation que je suis en train de vivre maintenant, dont le diable voulait exploiter pour me faire taire, pour me détruire, Dieu a changé cela en opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, Dieu est spécialiste de changer ton problème en opportunité. Quelqu'un me dit amen bien. C'était impossible. Comment pensez-vous que Dieu peut ouvrir une nouvelle frontière? Comment pensez-vous que vous pouvez conquérir? C'est par la souffrance. C'est par des problèmes. C'est là le chemin. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre que c'est l'œuvre de Dieu. Cette souffrance, c'est l'œuvre de Dieu. Et Paul a vu cela. Il a compris que c'était le travail de Dieu. Il a prêché tous les 900 soldats. La deuxième catégorie de personnes que Paul a touchées, qu'il ne pouvait pas toucher, même s'il avait envie de les rencontrer, quelle que soit l'envie qu'il avait, seul le problème de son arrestation pouvait permettre à Paul de rencontrer ces personnes. Si tu n'es pas touché par ces messages, tu seras touché par le message du pasteur Flarin. Quelqu'un me dit amen bien. Et que nous puissions aussi l'écouter. Alors j'aimerais que nous puissions acclamer très fort le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Flaret. Tantôt. L'une des raisons, c'est ça. Je prie au nom de Jésus qu'après chaille, tu monteras. Parce que la pensée de Dieu dit, mon serviteur, Père, nous te disons, montera. Il montera et il montera. Tu vas conquérir. Je dis, tu vas conquérir. Je répète, tu vas conquérir. Non, je répète, tu vas conquérir. Et tu auras la victoire.